إن الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، الحمد لله. Nous laissons Kitab Nika, chapitre Relation Michi Madame. Nous terminons avec des voix de Madame envers ce Michi. Et là, nous expliquons des voix de Michi envers ce Madame. La première chose qu'il nous dit, c'est un Michi, les visages connus, qui ce Madame n'a pas droit au lit. Il n'est pas un. Il n'est pas dans sa façon là qui saisisse un michier qui est n'a pas droit, mais elle madame aussi n'a ce bon droit qui sa michier là vient respecter et il peut être questionné concernant ça jour qiyama. Et dire il a dit mon il risque gain punition Allah, il risque rentre dans l'enfer qui fait parce qu'il n'est pas respecté droit de ce madame en deux volumes désobéir Allah subhanahu wa ta'ala pour pas respecter droit de ce madame. Et là nous tirons dans deuxième point comme une cause respecter comme une cause droit d'un devoir d'une madame devoir d'un monsieur ce qui y agit bien envers ce madame, c'est-à-dire l'icône comporte bien, il agit dans la meilleure façon. Alors, nous toujours dans cette explication-là. Il y a un hadith qui fait une cause concernant un monsieur qui agit bien envers ce madame. C'est un hadith qui peut montrer nous un monsieur qui comprend la faiblesse de ce madame. Il vient comprendre la faiblesse de ce madame. Au contraire, ça, il est bien vilain. Si un monsieur, il n'a pas essayé de comprendre la faiblesse de ce madame. Parce que s'il agit dans sa façon-là, c'est comme s'il descend dans le même niveau avec ce madame. Allah fait créer madame comme madame. Il a faiblesse madame dans lui. Alors, si Michel n'a pas pu accepter la faiblesse de ce madame, c'est comme si il descend dans le même niveau avec bonne madame. Et il réclame ce qu'il appelle, comment dire, la perfection. Il n'a pas pu accepter la faiblesse de la part de ce madame. Donc, quand Michel, il ressentit, Allah fait faveur au moment de Michel. Et Allah a fait deux mois de madame. Et l'Ibizin prend ça comme, comment dire, un honneur pour lui, qui, ce madame, il a une faiblesse dans lui, qui lui, il n'a pas une faiblesse là dans lui. Ce madame, il a une faiblesse dans lui, qui lui, Michel, il n'a pas une faiblesse là dans lui, veut dire, ça c'est un gloire pour lui, un honneur pour lui. Alors, s'il n'a pas accepté ce madame, il n'a pas une faiblesse là, mais comme, comment dire, il peut mettre égal avec ce madame, il peut mettre égal à ce madame, alors il n'est pas digne à un homme, il n'est pas digne à un homme qui. Les descendent d'un même niveau avec ce madame. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقنا من ضلع. Acceptez conseils qui m'ont fait deux autres. On sait conseiller, agir bien envers une madame, car parce qu'une madame finit créée à partir d'un côté. Et il va dire وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه. Et partie qui plie cabossée d'un côté, c'est ce parti qui plie là-haut. فإن ذهبت تقيمه كسرته. Si tu vois, essaye de dresser sa côte-là, et sa côte, comment dire, par là-haut, les cabossés là. Si tu peux aller à dresser ça, tu peux casser. وإن تركته لم تزل أعوج. Et si tu voulais rester, il pourrait se cabosser même. فاستوصوا بالنساء خيرا. Et alors, acceptez mon conseil. En ce qui concerne agir bien envers madame. Donc, dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam commence à réaliser, il termine sa réalité par une parole. Agir bien envers madame. Acceptez mon conseil. Qui m'a donné ce qu'on peut recommander. Agir bien envers madame. Alors, ça peut nous dire, ils font partie de nos dînes. Agir bien envers madame. Ils font partie de nos dînes. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il peut répéter sa phrase-là deux fois. Et ensuite, au milieu, dans ce hadith-là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il peut faire mention d'une petite chose, raison pour laquelle il peut donner sa conseil-là, il peut dire
ça a commencé là, au commencement, il est viré, ça a commencé là, à la fin, ce qui était un madame, Allah fin créé libre, il y une madame fin être créée à partir d'un code qui nature des côtes, ce qui était les travers. Nature d'un code, les travers. Alors, si Allah crée avec sa nature, Allah nous disait accepter ça qui te sauve. Une madame veut dire, il y a un homme qui te sauve travers dans lui. Une madame, il y a une petite chose travers dans les parce qu'il n'y a pas de choisir sa création. C'est Allah qui nous crée lui et Allah qui nous crée lui comme ça, avec une faiblesse, à partir d'un code travers, il peut tout le temps rester comme ça. Il peut tout le temps rester comme ça. Ce n'est pas sa faute, ce n'est pas son péché, mais Allah nous décrète comme ça. Ce n'est pas sa faute, ce n'est pas son péché, mais Allah nous décrète lui comme ça. Une madame, il peut créer à partir d'un code qui travers et il peut tout toujours reste comme ça. Et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui me dit, si tu peux essayer à dresser sa côte travers, tu peux casser. Il va où une droite? Il n'est pas pour une droite. Alors, si un Michel dit, oh, moi, non, il disait comme ça, comme on dit A, c'est A, comme on dit B, c'est B. Si un Michel agit comme ça envers ce madame, il va errer. Les visins disent, comme on dit A, c'est A. Ensuite, quand madame là, il fait un petit peu travers, pas ici, pas là, il reste tranquille. Il fait comme dire, il pas trouvé. Il fait comme dire, il pas entendu. Il fait comme dire, ce madame pas désobéi à lui. Et ce qui te sauve un péché, il rappelle à l'ordre, il dit à lui, mais seulement, il n'est pas attrapé pour sa péché. Il n'est pas attrapé pour sa erreur. C'est comme dire, pour pas accepter. Qui Allah fait créer ou madame apporter un code qui travaille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al mar'atu kadhira in aqamtaha kasartaha fadariha ta'ish biha. Al madame, il y a un code, si tu dresses lui, tu peux casser lui, alors montre-toi, quoi dire, accueillant, envers lui, montre-toi, et dire, qu'on amène ton rôle lui en deux mots, mudara, c'est agir bien envers lui, qu'on amène ton rôle avec lui, tu peux vivre avec lui. Qu'on amène ton rôle avec madame et tu peux vivre bien avec lui en deux mots. Quand madame l'aline crie, elle fait ta part, elle dit à ça, elle dit à l'autre, laisse-le, fais comme elle dit, on entendait et on peut obéir. Et si pas important pour, pas, pour obéir, elle n'est pas nécessaire, obéir à lui. Mais de dire, accepter que madame l'inasso se faiblesse. Deuxième point, pour aujourd'hui, quand on peut cause. Un monsieur, les besoins qu'on agit envers ce madame, c'est aussi les pas blâmes ce madame. Vous verrez qu'il est fini repentir de ça. Et ça, il est vraiment vilain, dégoûtant. Il est vraiment quelque chose vilain, il est vraiment quelque chose dégoûtant. Surtout si, quand Dieu nous prend en lit, nous-mêmes, nous, comment nous pourrions sentir si Allah subhanahu wa ta'ala lui attrape nous pour chaque péché qu'il nous fait, pour chaque erreur qu'il nous fait, comment nous vous sentons-nous? Alors, quand une madame, l'indienne qui te sauve, l'infienne qui te sauve, erreur, et l'in repentir, nous pas gagner droit de reposter l'eau là. Par exemple, l'itidez a dit à mon maman, ferme-toi la bouche. Fais-moi la bouche. Mon madame, d'en causer, l'indéza dit à mon maman, vous connaissez où? Fais-moi la bouche. Mon dieu, lui, ou bien lui-même, lui trouvé, qui lui fait rire. Alors il allait, maman, belle-mère, pardonne-moi, excuse-moi, sa façon qui m'a dit là, il part bon, il n'est pas une bonne façon de causer avec une belle-mère, fais-moi la bouche. Correct, c'est fini. Après 6 mois, après 1 an, j'ai un problème avec lui. Je dis oui, tu te dis à mon maman, tu te causes à mon maman comme ça. Est-ce qu'il y a un droit? Non, pas qu'il y a un droit. Pas qu'il y a un droit, blâme une madame pour péché qu'il y a une fille, mais il y a une fille de repentir. Et ça, quand on veut dire, il y a quelque chose qui est bien, vilain. Parce que si nous acceptons de nous dire, nous tout comme je nous piétons, nous gardons grand l'espoir, le pardon à Allah. Qui veut dire pardon d'Allah? L'un pardonne nous, Mais si Allah pardonne nous, après quoi? Pour la blâme après ça, nous ne pouvons pas comment dire qu'on trouve ça comme pardon. Alors, qui veut dire pardonner? Pardonner, c'est pardonner. Alors, quand une madame fait une erreur, une mal agir, ou bien de n'importe qui façon, il a sauté
Mais l'une corrige soit rire, l'une présente soit excuse, pas gain droit blâme pour ça, pas gain droit à chaque fois, crase sur la tête, l'eau, ça quitte chose là. Et ça, c'est rire, beaucoup, beaucoup, monsieur fait, beaucoup madame fait, beaucoup jimoun fait. Quand un jimoun fait rire, et après un moment, quand il est arrivé, il fait le derrière ou bien. Papa gagne un point pour dire non, je suis très venu avec ça qui se comme je dis, tu finis faire des tu finis, je suis très allé en détail ça, oui, tu dis ça, oui, tu fais ça, et qui pourtant, ça dit, moi, je finis faire, t'as ou pas de ça. Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran, une cause concernant nos choses, une cause concernant une madame qui mal agit. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان علي إن الله كان عليا كبيرا سي مدام لا لين ريتون في الوبيسانس لتبي مونتري لي ديزوبيسانس لتبي مالاشيا لين ريتون في الوبيسانس Alors la tâche est faite. Tabourou alayhinna sabila. Pas cherche ban chemin contre ban là. Par quoi dire? Une fille, une fait rire, elle est retournée, pas une crasse sous la tête. Une fait rire, une repentit, elle fait rire, elle présente ses esquisses, pas cherche ban chemin ou ban là, veut dire pas service à ban erré là, pour crasse sous la tête, pour blâme-li, pour quoi dire, traite-li d'une façon, quoi dire, puis maltraite-li. Et là, Allah dit Inna Allah kana aliyan kabira, certainement Allah li haute et li grand. Allah li haute et li grand, comme nous le faisons, nous laissons, Asma'ullah. Ben nom d'Allah, chaque nom Allah, quand il mentionne une ayat, il y a une sagesse derrière ça. Pas pour rien, Allah Ta'ala, il mentionne sa nom Allah là, sa attribut Allah là, dans sa ayat là. Alors, sagesse qui certainement savant, il attire l'attention là, c'est qui était, c'est ô toi qui, de madame, il mal agir. Ensuite, il repentit, te pécrase sur la tête, te peux montrer toi grand loli. Je vais montrer toi haute l'oli, alors qu'on dit qu'Allah est haute, Allah est grand. Allah, c'est lui qui est haute, Allah, c'est lui qui est grand. Alors toi, tu n'es pas haute, toi, tu n'es pas grand. Pas faire dominer l'eau et madame. Parmi ces. Un message, il y a bien envers sous madame, c'est. Il comprend que sous madame, en tant qu'un insan, l'ina, ça, l'instinct, ce qu'on appelle coller dans l'île. Il n'est pas possible. Je me marie avec une madame, jamais mon madame ne va coller. Jamais mon madame ne va coller. Mais on ne va pas me marier avec un insan alors. Parce que mon madame est un insan. En tant qu'un insan, obligatoirement, les boubisins, ils ont ce qu'on appelle coller dans lui. Une mauvaise madame dit tout ça fait, elle fait coller. Une mauvaise madame. C'est-à-dire son collier domine son collier domine son bon côté dans l'île. Ça, c'est pas une mauvaise madame. Quand tu as une bonne madame, c'est une madame qui n'est pas fait collier, elle domine son collier, mais il y a arrivé un coup de fait collier. Ça, c'est pas quoi dire. Quand nous mettons un Coran ou un Hadith, alors une madame, on gagne l'autorisation de faire coller dans la case à terre, et on gagne l'autorisation pour lever la voix, ou bien pour mettre mon monsieur dans sa place. Non, c'est une madame, il finit appelé pour agir de meilleure façon envers ce monsieur, pour un respect pour ce monsieur. Alors ça, c'est quelque chose qui est connu, il finit à prendre. Et ici, quand Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis enseigne-nous qu'un monsieur, il a accepté que ce madame est arrivé vers coller, c'est pas quelque chose qui est arrivé rarement, c'est pas quelque chose qui est arrivé un coup comme ça, mais pas comme à dire, madame là, elle vient une boîte coller, toutes ses affaires, elle vient coller, ou bien elle reste faire coller, ça n'est pas comme ça. Rapportez par Aïcha. رضي الله عنها لجيا قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت عني غضبا انفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جاء عائشة مكوني كنت ساتيسفي avec moi et مكوني كنت en colère avec moi
une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient dire à Aïcha, vous connaissez quand tu es content moi, et vous connaissez aussi quand tu es en colère avec moi. Qult min ayna ta'rifu dhalik? Aïcha, tu es comment vous connaissez ça? Ça veut montrer nous que le prophète Aïcha radiallahu anha, il tient la conception qu'il dit. Le prophète connaît? Le prophète connaît? À cause ça, il veut demander, mais comment on connaît ça? Isone ba sone ha e ban bidati zuban jahil zuban jahil si Aisha tena conception le prophète connait qu'est-ce que je vous dis au prophète d'Allah vous présente vos excuses au prophète d'Allah vous connaît parce qu'il connait mais quand Aisha me dit ya Rasulallah mais comment vous connait ça C'est-à-dire, les mots Aïcha pour lui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est un humain et il y a quelque chose qu'il n'est pas connu, il y a posé une question, mais ça n'a pas comment il connaît. Comment il connaît ça qu'il soit là, qu'il est dans le. Quoi dire, comment il a découvert ça? Là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Amma idha kunti anni radiya fa innaki taqulina la wa rabbi Muhammad. وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبًا قُلْتِ لَا وَرَبِّي إِبْرَاهِيمِ إِجْيَا رسول الله صلى الله عليه وسلم إجيا quand tu es satisfait avec moi quand tu peux quand tu peux pas être content moi quand tu es là pour faire serment dans ce moment là tu fais serment le Rabb de Mohammed Et comme autant toi peux faire serment, serment le Rabb d'Ibrahim, là vous connaissez qu'on a dit, tu vas plus content moi. Là vous connaissez, tu vas plus, tu vas en coller avec moi, à cause de qui, au lieu de faire serment le Rabb de Muhammad, tu fais serment le Rabb d'Ibrahim. Qul tu ajal, wallahi ya Rasulallah, ma ahjur illa smak. Et là, je dis, bien sûr, ya Rasulallah, il est comme ça, je dis, vraiment, quand moi arrivé en coller, mais. ولي جاء سيما لرب محمد مجي سيما لرب ابراهيم لا لا شجي مي ان فيريتي يا رسول الله مو با اباندون اكسبتي او نو بيجا بو كونتا مو كونتا او بو ساتسفي مو كاساس ذيس دا نو لي جاء محمد وجي ابراهيم ذيس نو لا اولي سيت نو دي محمد مو سيت نو دي ابراهيم الو هسه حديث لا كانوا بيتروبي لي بروفيت صلى الله عليه وسلم لي بي اكسبتي pas n'accepter comme dire l'invin cause avec ce madame me connaît qui n'a pas de moment tu en coller avec moi me connaît il n'a pas de moment tu en coller avec moi donc un monsieur les bizarres connaît par exemple ce madame en coller là alors dans ce moment là si vous pouvez coller mais qui sera pour une ville qu'il soit là pour une ville l'intro ce madame une finie allez nous au comment dire ce machine collée alors les pour les gars ce machine vrai d'aller c'est là pour dire les qu'il soit les qu'il soit mais si tous les deux pouvaient coller d'un seul moment alors qu'il soit là pour une ville qu'il soit là pour une ville elle madame quand on dit elle est bien calme bien tranquille d'un seul avantage elle madame intelligente il va faire coller elle madame intelligente pas avec coller qui ou gain qu'il soit faire gâter faire montrer où et dire innocente montrer où obéissante au bougain qui de choses qui il y a plus qui vous attend comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah ta'ala il donne qui de choses à travers la douceur il y a qui de choses qui ou pas tu peux gagner si ou tu peux servir la dureté donc si elle madame a la douceur dans le lit les pour gagner qui de choses avec à travers Allah pas je veux dire pas depuis Allah à travers ce michier donc Le prophète sallallahu alayhi wa sallam par sa hadith là peut montrer nous quelle madame est arrivée en colère. Madame est arrivée en colère. Donc nous tous, messieurs, nous visons accepter cette chose là. Si une madame par exemple, une fille lève la voix, écoute en nous. Nous restons tranquille. Si c'est pas sur mauvaise manière, il y a une coup de coup qui est arrivé, une arrivée simple local. Rapporté par Omar radiallahu anhu dit Kunna rapporté par Omar. كنا مع عشرة قريش نخلب النساء فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم نساؤهم إذا عمر جاء نو بن قريش دا مكة نتش بن زوم كي سنو كيش بدومين نو بن مدام سنو كيش بدومين نو بن مدام جاء نو كي السيف دا لكار
إجابة سما كانون كت ما كانون فين مدينة نتخوف كم أجا دا مدينة سما مدام كنا لدي سيلو بانزوم نتخوف أجا بان مدام سيزد كي كم أجا لتيني أنتبه أخن دان زد لامي دان لكال عمر جيا فطفق نساؤنا يأخذنا من أدب نساء الأنصار جاك فين كومونسينا فخوتما مدام سوتشي مكة avec مدام دا مدينة عمر جيا بان مدام مكة ان كومونس كوبي avec بان مدام دي بان أنصار جيا بان مدام دا قريش بان مدام مكة كازو من مدينة زوت سن كومونس كومبوزو كم كيدي مدام مدينة زوت سن كومونس زون رود كومونس لي بلاكيت ان شبي دون دا لا كاز ف صخبت على امرأتي فراجعتني فأنكرت أن تراجعني ومرجعني فمنتخلي أفك مومادام مومادام ينليف لأفوا موا ومرجع منتخلي أفك مومادام ومرجع مومادام إن بتسكت موا منتزعقو ساكت صوص كي بتسكت موا لا بومار لالي كمنتخلي أفك مومادام كنا أولا يسوزي فهم سو لابوس فيني منتخلي أفك فهم تو لابوس منتخلي أفك t'ouvrir la bouche, Omar dit, crie, toi, t'ouvrir la bouche, veut dire, ça ouvre la bouche, un pied en colère, là, Omar, un pied en colère, tu n'es pas supposé ouvrir la bouche, en moi, quand, mon crie, toi, قالت, ولم تنكر أن أراجعك, فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل. Omar, ce madame, je dis, mais qui est-ce pour te désapprouver ça qui te sauve, ça qui m'obéleve la voix avec toi, m'obéleve la bouche avec toi. Et je sais, Amalo, Allah, ben, épouse du prophète, je suis arrivé, causé, je discute avec le prophète, Et Omar, ce madame, je dis, pas si ça, et là, parmi ben, madame, le prophète, et là, madame, toute longue la journée jusqu'à le soir, il est arrivé pas causer même, dis-toi avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est en colère avec le prophète, il est la journée, il n'est pas cause avec ce vichy. En la journée, il n'est pas cause avec ce vichy. Donc, ce hadith-là, mais montrez-nous qui, ben, madame Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est la ben, meilleure madame qui va pour une encore, la ben, meilleure madame qui va pour une mais, dans une relation, monsieur, madame, entre autres avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, type Ena, ce qu'on appelle un petit bis-bis, et madame, la type en collé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'esprit, quoi dire, ouvrir la bouche avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand le prophète dit une affaire, madame, la tienne l'autre affaire. Quand le prophète dit une affaire, madame, la tienne l'autre affaire, et pas si ça. Et madame, là, quand il est en collé, parfois, la journée les par cause avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si ça c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui moi, qui ou, qui comme a dit, nous peut rouler vivre avec nous madame d'une façon qui nous madame, si l'une fait un colère, quand il finit sa dernière madame qui est capable de nous saladier là, quand il plie bagage, aller à la case de papa, prend ta lac, alors ça c'est un ben, petit esprit qui fait comme ça, mais prends patience, parle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et un petit moment encore, un problème résout et situation retourne normale. Il y a un autre hadith rapporté par Nu'man ibn Bashir. Il dit جاء أبو بكر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع عائشة وهي رافعة صوتها على النبي صلى الله عليه وسلم وهي تقول والله لقد عرفت أن علي أحب إليك من أبي ومني أنفوا أبو بكر أجاب من تابلا بود كت رسول الله صلى الله عليه وسلم pour rendre compte du prophète, car il croyait bien compte du prophète, il tape la porte, il donne en dents à Aïcha qui lève la voix avec le prophète. Il donne en dents à Aïcha qui lève la voix avec le prophète, et il discute avec le prophète, il veut dire, oui, je connais, oublie content Ali qui moi, et mon papa. Oublie content Ali qui moi, et mon papa et moi. Fa'adina lahu fa'dakhal. Alors quand... Abu Bakr radiallahu anhu, il demande permission, l'ingain permission pour rentrer.
فقال يا بنات أم رومان، وتناولها أترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر رضي الله عنه لنفين avec Aïcha li jali o ci fide om rumman bayna ya boy sulame lo Aïcha ja o ci fi om rumman c'est mama de Aïcha o Aïcha est-ce qui te lève la voix lo avec le messager d'Allah faha wa li bevin ko ja boy la me lo rasulullah sallallahu alayhi wa sallam فحال النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينها ما لبوفيت صلى الله عليه وسلم فين كايا فين كمان باجية أنت عائشة إيه أبو بكر رضي الله عنه بيجي بانلس أبو بكر رضي الله عنه ليه بلعمه لو عائشة بانلس أبو بكر رضي الله عنه ليه بلعمه لو عائشة فلما خرج كان أبو بكر رضي الله عنه فين سوتي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها يترضاها ألا ترين أني قد حلت بين الرجل وبينك كا أبو بكر رضي الله عنه من سوتي نالي لا رسول الله صلى الله عليه وسلم يباتين avec عائشة اللي بيقول فالي غمت لي دامود يترضاها بيقولي غمت لي دامود Il dit déjà Aïcha, tu n'as pas comme ça, toi de ton papa, tu n'as pas comme ça, pour ne pas laisser ton papa, lève la mélo, toi. Thumma ja Abu Bakr, il se passe ta'adhan alay, fa wajada ou yudahikuha. Alors après un moment, quand Abu Bakr est venu, il lui demande permission pour rendre compte des bobettes et tout, les bobettes peuvent faire Aïcha rire. Il dit là, monsieur, madame peut rire. Fa adina la, fa dakhal. أبو بكر من المهمشون إن جاء بغانطري فقال له أبو بكر يا رسول الله أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما لا أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله Fais-moi participer dans toute la paix. Pareil, comment je fais-moi participer dans toute la guerre. Fais-moi participer dans toute la paix. Pareil, comment je fais-moi participer dans toute la guerre. Alors, dans ce hadith-là, nous trouvons Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sous madame Aïcha, pélève la voix avec lui. Sous madame Aïcha, pélève la voix avec lui. Et pourtant, quand ce papa est rentré, Aïcha, ce papa est rentré, les pirates, quand il lève la main, le Aïcha, le prophète, il défend lui. Et au contraire, parce qu'il défend lui, il ne remet lui dans le monde, comment il est allé. Il dit, allez, guettez, comment mon papa, laisse ton papa, lève la main, le toi. Alors, tout ça montre-nous qu'un musulman, un monsieur intelligent, il a besoin d'accepter cette chose-là, qui, ce madame, parfois, arrive à faire errer. Il fait errer, il lève la voix, il mal agir. Et en même temps, dans ce hadith-là, il y a une grande leçon pour Ban Bobir. Une grande leçon pour Ban Bobir, c'est pas rentrer dans affaire entre monsieur et madame. Pas rentrer dans l'affaire entre monsieur et madame. Ça, les gâtes qui te sauvent. Parce que monsieur et madame, comment ils s'aiment là? C'est un exemple et nous tous nous vivons ça. Fait que là, Aïcha, le prophète, Aïcha, il lève la voix. Abou Bakr, il est rentré, mais c'est moi. Après, il est allé. Après, il est allé. Après, il est allé. Le prophète, il a échappé. Fait que c'est périllé. Donc, monsieur et madame, il n'est pas pareil comme la relation les autres dîmes. Je veux dire, les autres dîmes, parfois, quand il y a une discussion, alors parfois, quoi dire, quelque chose là, il n'est pas retour normal. Tandis que la relation monsieur et madame, parfois, monsieur finit maître de son madame, et madame finit maître de son monsieur. Parfois, pas laisser apprendre ça, mais là, grand matin, il dit tantôt une retour normal. Grand matin, il y a un problème, tantôt une retour normal. Donc, conseil qui nous capable de avant de bopé, avant de belle-mère, vraiment pas élevé ou même pas élevé même ou tu vis dans la façon là comment dire tout correct la novité qui tout correct on vit un moyen ou tu vis inchallah fais toi pas autre quelque chose si pas tout correct si on a un petit problème il vient vivre avec ça alors on vient finir élevé quand il fait tarbiya ou tu vis un moyen ou vivre avec un petit problème
Si elle aime quelque chose, elle est capable de grave, elle a causé. Elle a vu, comment dire, une cause avec maman, une cause avec papa. Parce qu'en vérité, maman, papa, lui aussi, pas nécessairement les mauvais, mais sentiment de maman, sentiment de papa. Pour lui, la façon qu'il est élevé ce petit fille, il est élevé ce petit fille, comment dire, une princesse. Alors, il peut t'en dire, et par exemple, ce Zan, il a ce chocolat, il donne ce c'est, il pas donne, on va dire, Zan là, il donne ce c'est, il pas donne ce madame, il pas donne ce fille. Mais j'ai dit, qui a vous fait mal, de façon pour lui. Mais ça, moi, je vais me faire avec lui. Il a allé dans ce chocolat, il donne ce c'est, il pas donne ce madame. En tant qu'un papa, on va dire, moi, pour ça, grain. Mais est-ce que c'est une raison pour moi de créer un problème? Vous voyez, il n'est pas passé là, tu ne pas donner mon petit fils au chocolat. Il n'a pas fait amener un cisé. Ou les gars, il fait mal, là, c'est chocolat. Il donne mon petit fils où? Il n'a pas fait amener un problème, tu ne pas donner mon petit fils au chocolat. Ou bien, il arrive ça. Donc, pas rentrer dans affaires, monsieur, madame. Pas rentrer dans problème, monsieur, madame. Excepté quand, comment dire, bébisin. Excepté quand bébisin, parce que quand beau-père, belle-mère rentre dans problème, monsieur, madame, il n'a pas aide pour résoudre le problème là, il est plutôt aide pour aider, il est plutôt empire les choses. Il est plutôt empire les choses. Ça, c'est ce que tout le monde connaît. Mais malheureusement, vous voyez, parfois quand il traverse tout le monde, là, il n'a pas réalisé qu'il vient faire errer, mais il est là trop tard. Il est là trop tard. Quand on m'a dit à Infini, prendre un step, il prend un stand, là, parfois il est difficile pour rétracter. Un autre hadith rapporté par Sahal ibn Sa'ad. رضي الله عن لجيا إن كانت أحب أسماء علي إلي لأبو تراب نو كي علي رضي الله عنه في كونتان ويبان جيمون أبل لي باسا سي أبو تراب بابا لحوشير وإن كان لا يفرح أن يدعى بها إجيا كان كانش بأبل لي أبو تراب علي شبه بارد كونتان باسا كان كانش بأبل علي أو أبو تراب علي تبي بارد كونتا بواسطة كونتا هانو لا وما سماه أبو تراب إلا النبي صلى الله عليه وسلم بيرسون باتيمت سانو لا بيكلي ساكونيا لا بيكلي إكسبتي لبروفيت صلى الله عليه وسلم لبروفيت بيم كتيمت ساكونيا لا بيكلي غاضب يوما فاطمة فخرج فاضطجع إلى الجدار إلى المسجد ألو كما نعرف سا كما لبروفيت في جامد سونو إنمت ساكونيا أبو تراب Un jour, Ali, radiallahu anhu, il dit, il fait Fatima en colère, il dit, monsieur, madame, il y a un problème. Ali sortit depuis la case, il a le masjid, il a allongé le mirail, il a appuyé le mirail masjid, et finalement, il dormit. Et ça, en même temps, il y a une autre leçon là-dedans. Quand il y a un problème, sortit Ali, un monsieur. Sorti aller, pas à nous madame, sorti aller. Oh monsieur, sorti aller. À la scène chocolat vini de ni. Chocolat, à la scène sorbet vini de ni. Quoi dire? Pas reste la même, répondre, le temps répondre, qui sera là, il peut empirer. Alors Ali radiallahu anhu, l'in sorti dans le masjid. Faja un nabi, sallallahu alayhi wa sallam, yatba'uhu, faqala, huwa dha muddaj'un fil jidar. Alors quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu Rodli, il a envoyé quelqu'un pour Rodli, ça dit mon là, il est dans le masjid, il peut allonger là-bas avec Mirail, il peut allonger avec Mirail. Faja'ahu al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa amtala'a dhahru turaban. Et quand le prophète est venu Rodli, sur les deux, tu remplis avec la bouchée, avec un dos mis en bas. À l'époque, le beau fait pas de la moquette, c'est là, du sable. Alors, soleil d'eau rempli avec la poussière. Faja'ala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam yamsahu al-turab an zahri, yaqul ijlis ya aba turab. Et là, le beau fait sallallahu alayhi wa sallam, il essuie la poussière depuis soleil d'eau et il peut dire ali, assisez-vous Abu Turab, assisez-vous Abu Turab. Donc, ça aussi, c'est un grand événement. La vie de Ali et Fatima radiyallahu anhuma des yétimons mais finit là une discussion
فاطمة إنهم كلية علين كتلا كازينا الدوبي دان دا مسجد Alors, c'est une petite chose, il y a une leçon là-dedans pour nous qui nous vise à tirer afin que nous continuions à vivre avec nous, madame, d'une façon qui nous continue à vivre. Nous ne pas vivre d'une façon qui, comme je dis, après un certain moment, pour besoin d'une cassure, pour besoin d'une séparation, des enfants perdus, après Michel Aliem, le premier, qui pour regretter. Madame là, lui-même le premier, Madame là, lui-même la première vous regrette. Ce qui vous porte encore dans ce qu'on appelle agir bien envers Madame, je comprends sa faiblesse, comprends qu'il y a en colère, une autre petite chose encore, c'est comprendre que Madame il a la jalousie dans eux. Et ça, là aussi, il a misé, il est vraiment tel esprit. Fait comme dire, mon Madame, il les voit moi. Qui fait un madame une call moi par exemple une jambe à Zabia des affaires alors mon a répondu oui pas comme ça les comme ça par exemple alors quand on pose téléphone et quoi madame oui comme oh madame tu comprends moi de pas comme par exemple un exemple des jeux dans un moment là vous êtes en colère vous êtes content dans un moment là mais dire quand madame Il peut réagir dans sa façon là, c'est poussé par son amour qu'il peut réagir dans la façon là. Je veux dire, pour lui, c'est pour lui ça. Si une madame, je veux dire, il n'y a pas de chien dans ça dans lui, mais tu peux causer tes blagues avec madame, blague, papa. Tu peux blaguer avec madame, tu peux blaguer. Je veux dire, quand une madame réagit dans la façon là, quand tu es dans une communauté, dans une société café, c'est quand on va dire ça qu'elle vient même sur la vie pour lui. Tu as envie de blaguer de l'autre côté, tu as envie de commettre de l'autre côté, faire tes affaires, moi, pour faire mes affaires. Mais une madame musulmane, quand on va dire, elle dit en colère, oui, tu as une cause, ou bien oui, tu ne sais pas, connais-moi, ou bien, fait qu'on va dire, mon le volant, une madame, elle peut sortir de l'autre côté, elle me donne ici, mais elle sort. Une madame, alors madame dit, ouais, si tu vois une zone là, tu vas me donner ici, mais après madame, donne-le ici, mais. Comme après, seulement, arrivé au roi, un monsieur, si tu as une zone là, tu me donnes ici, mais. Et madame, ça dit, il n'y a pas de sens que ses enfants, mais laisse-y aller. Alors, madame, peut-être, ou madame à côté, il lève la voix, ou, ouais, et madame, ça, elle donne-le ici, mais pour y aller, sinon, si tu as une zone, tu vas me laisser passer. Alors, pas une petite chose comme ça, qui quelque chose d'une madame qui pousse lui pour agir dans sa façon là, c'est ce qu'on appelle jalousie. Les ressentis quand elle possède ce monsieur pour lui ça, ce monsieur pour lui ça. Mais moi, je suis content que mon madame les ressentis qui me poulie. Mais c'est comme dire, mon madame pas ressenti ça avec toi, ton envie de causer là-bas, ton envie là. Et mon père dit. Donc, ça, c'est quelque chose qui nous besoin comprendre. Ça aussi, nous besoin comprendre. Et madame, rien à ce qu'appelle la jalousie dans lui. Rapportez-vous à Aïcha, elle dit Marir-toi à la mra'atin, les Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, comme marir-toi à la Khadija, les kathrati dhikri Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, ya wa tana'i alayha. Aïcha dit, mon pan zalou, aucun madame du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme mon zalou Khadija, pour à cause quantité qu'il aurait tu fais manchon de lit, et j'ai fait ce éloge, Et dans les autres hadiths, il y a dit dans mon livre épouse du prophète, Aïcha dit, Ali, ça vient madame qui seul, quand tout seul les gens tu es tombé là. Alain de nous zen, madame. Aïcha dit zen. Khadija tient vieille madame, les dents tombées. Aïcha dit sa vieille madame qui sont les dents tombées là. Et moi, Aïcha, puis en colère. Qui est en colère? Un dit qui parle là. Khadija est fini mot. Mais il est en colère. Elle va se mettre en colère. Il est en colère dans fosse. Mais c'est madame. Ça c'est madame. Mais c'est à cause du prophète qui fait mention de Khadija. Moi, Aïcha, j'ai agacé. Viens retourner Khadija. Cause Aïcha qui est Khadija. Alors, Khadija, pesalou.
Et à Chabedia, on pense à l'eau. Pourtant, tu n'as pas besoin de madame vivant avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam ensemble avec Aïcha, et n'a pas zen, et n'a pas bien joli. On connaît Safiya, et Jouairia. Jouairia même, quand il vient pour demander une petite chose au prophète, je vais rappeler exactement. Aïcha, il trouve les côtes la peau, il trouve les jolies madame, il dit, il avait ça comme le bruit pour trouver, le prophète pour quoi dire, pour marier avec lui. Et effectivement, il dit, tu es jolie, madame là, tu es jolie. Et le prophète finit content pour marier avec lui. Donc, tiens, madame, jolie, jeune, ensemble avec Aïcha, mais Aïcha pas une zalouban là, elle est une zalou qui s'en là, Khadija, citant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vais faire ce éloge. Alors ça va montrer nous, une madame vient à ça dans ce qu'elle appelle zalou somichi. Les zalou somichi, surtout dans l'époque, quand, et ça, il y a beaucoup de michi, je tire l'esprit, madame aussi tire l'esprit. Moi y'aider. Alors, viens retourner, michi, j'aime moi y'aider. L'infini, 10 ans de mariage, moi il dit, 20 ans de mariage, moi il dit, 30 ans de mariage, moi il dit, tu vas trouver pendant 30 ans une cause d'enfance, quand tu m'as dit, tu vas gagner un deuxième, d'enfance une cause. Et comme ça même, madame Lali, oui, tu m'as dit, tu as une discussion, tu m'as dit, tu vas trouver une guerre d'enfance. 30 bananes traversées, une récit moyenne, mais je te la guerre dans fausse. Beaucoup de cas, beaucoup de couples, je te la guerre dans fausse qui fait, je moyen des jambes, pas moyen des jambes, moyen des jambes, pas moyen des jambes, spaghetti, pas moyen des jambes. Ça, c'est la guerre dans fausse. Mais seulement, un Michel, il bien comprend. Si ce madame, elle dit non, pas d'accord, si pas qu'elle pas qu'elle est, elle pas qu'elle est, droit pour d'accord, pas d'accord, là, lui. Mais si toutefois, elle dit on pas content, ou bien. Mon père l'a mon maman, c'est pas qu'il dit. Il est correct, il a ça, c'est-à-dire, vous voyez. Moi, je sais, prends ma main, longtemps, à Paris, ce que je vais faire causer, je vais dire. Quand vous voyez, Marianne vient, c'est pas bien, mais elle c'est pas bien. Ensuite, après une semaine, moi, un mois, moi, quand elle a quitté, elle a quitté ma main. À cette époque, elle a quitté ma main, c'est pas bien. Donc, elle a dit, donc, vous voyez. Ah, métro, nous allons y aller. Un seul, je dis dans le métro, nous allons y aller. Alors, le bizarre connaît qui, une madame, y est arrivé Zalou. Une madame, y est arrivé Zalou. Alors, tu as dit, tu as une pour ça. C'est. Rapporté par Anas, radiallahu anhu, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, عند بعض نسائه, فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم فسقطت الصفحة فانفلقت البروفيت صلى الله عليه وسلم شكوت أنس من مدام شكوت عائشة أنت مدام البروفيت صلى الله عليه وسلم إنه هو البلامانزي pour le prophète صلى الله عليه وسلم بكم أجل البروفيت كوت عائشة Et comme on dit, si pas Hafsa, il envoie un plat, la mousse. Côte les prophètes, pour les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, côte Aïcha. Aïcha, il est en colère. Il dit, côte moi, quand il dit, t'as donné de la mousse. Il dit pas, côte moi, t'as envoyé la mousse, côte moi. Et dit, Aïcha, il sentit, comment dire, il sentit offensé, il est jaloux, il a voyé une petite chose dans l'armée, sa esclave qui a mis ça là, plein tombé, une cassée. Plein tombé, une cassée. Fajama al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam fi l'aqqa al-safha, thumma ja'ala yajma fiha al-ta'am al-ladhi kana fi al-safha wa yakul gharat ummukum. Le prophète, il commence à ramasser un mot sur sa plat là, et il ramasse un manger là-dedans. Et ensuite, il me dit, je suis maman, finzalou, et Aïcha finzalou, tu m'as habas al khadima, hatta outia bi safha, min indi lati huwa fi baydiya, fadaf al safha al sahiha, ila lati kusirat safhatuha, wa amsak al maksura, fi baydi lati kasarat. Le prophète, une vieille esclave latine, il prend plat
qui est bon côté Aïcha, il retourne notre madame là sous plat et dit correct, tu n'as pas collé, tu n'as tapé, le bon pas dit non, il est là, le collé là, et c'est mal, tu n'as pas sous plat, tu retournes sous plat. Tu n'as pas sous plat, tu retournes sous plat, mais dis, il prend sous plat, qui bon, Aïcha sous plat, qui bon, il donne notre madame là, et ça c'est la justice de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais en même temps, on trouve en ses conseils à jalousie la même, sa réaction là, on va dire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pas de montrer autant coller, mais pas de condamner ça exactement, comme l'injustice, pas tolérer ça l'injustice, comme on dit, sa madame là, l'IPA dit ça, sauf plat. Donc ça c'est un petit peu, nous laissons, Inch'Allah, c'est un prochain nouveau, nous continuons, sallallahu alayhi wa sallam, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.